Il faut vivre. Oui. De qui ça? Alors, déjà, il faut vivre, j'ai envie de dire, il faut vivre de notre métier. Ah, c'est trop petit. Absolument. Il faut vivre de notre musique, notre amour de la musique. Et des gens. Voilà, et c'est pour ça qu'on joue à l'Essaillon. Voilà, tous les mardis. C'est notre vie. C'est notre vie. Voilà. Tous les mardis, à l'Essaillon. Ah, et ouais. Pas que, notre vie, c'est aussi le week-end en tournée. C'est. Et puis c'est le train aussi, beaucoup. L'avion. Oui. Mais c'est l'Essaillon, surtout. Hein. On mange Essaillon, on dort Essaillon, on chante Essaillon. Quelle belle vie. Parce qu'à l'Essaillon, tout est bon. Famille heureuse. Oh bah alors là, ouais, famille facile. Heureuse. Ah oui, famille heureuse. Le Barbershop est une grande famille. Oui, depuis 20 ans déjà. Depuis 20 ans, une grande famille avec ses joies, avec ses peines, avec ses désillusions. Ses douleurs. Ses fausses notes. Mais une grande famille quand même. Fadiez, on avait dit qu'on ne disait pas. Ah d'accord. Non, mais c'est que de l'amour. Oui. Mais c'est une famille, en fait, c'est que Bruno et Marie au départ, après, moi je suis venu après et France est venue après. Famille recomposée. Voilà. Une grande famille recomposée. On est dans l'air du temps, on est moderne. Ouais. Oui, ça fonctionne plutôt pas mal, on est assez heureux. Oh là, alors ça c'est pas pour nous. Humilité. Oh là. Alors là, non, c'est pour les filles, oui, les filles. Quoi, c'est vrai. Humilité, fraternité, mais c'est bien d'être humble. Oui, quand on a du talent comme nous, l'humilité, c'est. Ouais. C'est surtout que c'est lui qui écrit tous les textes. Voilà. Donc si on a du succès, c'est aussi grâce à lui. Voilà. Donc, là maintenant, c'est fichu pour l'humilité. Là, c'est pas possible, non. Mais c'est sûr que nous, ça, quand on joue dans une cave comme ça, on a toujours un problème d'humilité. Mais c'est pour ça qu'on met des petits pulls quand même. Ouais, voilà, c'est vrai. Souvenir. Eh bien, moult joyeux souvenirs de tournées, de concerts. Alors, des disques aussi. Des disques. Il y a eu combien de disques il y a eu? Quatre disques. Quatre spectacles. Le dernier, et on l'a sorti il y a un an. Donc, oui, ça, c'est un beau souvenir. Le chapitre 4. Je pense que c'est notre meilleur disque, il faut le dire. Oui, je le prétends. Je l'affirme. On a fait des progrès. On a fait des progrès en 20 ans. Par 20 ans, forcément. On a fait des progrès. On a enregistré tous ensemble d'un coup, comme ça, sans trucage. Voilà. Et des tournées internationales, car nous sommes allés en Amérique, au Maroc, alors en France, n'en parlons pas. En Suisse. On oublie la Suisse. Et voilà, et qu'est-ce que tu voulais dire aussi? Les souvenirs. Des nuits d'hôtel. Des Avignons. Combien d'Avignons? Depuis 2008, Avignon. Des soirées, des nuits blanches, des petits déjeuners à l'hôtel. Tout seul. À l'hôtel. À 7 heures du matin. Ouais, réveillé en premier. Les galères de train. Des souvenirs. Aujourd'hui, la consécration. Aujourd'hui, nous tournons un spectacle depuis 2 ans maintenant et nous pensons le tourner encore longtemps car il rencontre un franc succès, il faut le dire en toute humilité. Un spectacle tout neuf. Tout neuf. Avec que des chansons nouvelles. Inédit. Absolument. À part notre grand succès que nous. Qui nous est réclamé. Non, tu dis pas. C'est Marie qui le chante, celui-là, surtout. Ça commence par Maria. Aujourd'hui, c'est bien entendu l'Essaillon. C'est notre actualité principale. Et qui sait si nous ne reviendrons pas l'année prochaine. Tous les mardis à 19h45. Dans la grande salle. Jusqu'au mois de juin. Et 28 mai, exactement. Ça sera aussi notre... Ah ben non, c'est pas aujourd'hui, ça. Quoi, aujourd'hui? Avignon, c'est pas aujourd'hui. Non, c'est demain. C'est plus tard. Aujourd'hui, c'est l'Essaillon, tous les mardis. Et c'est des tournées internationales. Il faut aller sur notre site internet, Barbershop Quartet. On est les premiers référencés sur Google avant tous les Américains. Et il y a toutes nos dates de concert. Voilà. À l'Essaillon. Non, mais partout en France. Les tournées.
Oh, allez, ça y est. L'avenir, l'avenir, l'avenir proche, c'est Avignon, bien sûr, cet été. Oui, mais c'est, après, c'est aussi le Tarn-et-Garonne, c'est Versailles, c'est... Oui, non, mais ça c'est rien. Bah, ça. Oui, mais quand même. C'est l'international, nous avons des touches pour l'international en 2035. Voilà. Une tournée internationale. L'Olympia, l'Olympia. 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 2037. La barre de l'Olympia. Café, L'Olympia. Bah. Et l'Opéra. Enfin, le Carnegie Hall aussi. La station Opéra. Carnegie Hall. Ouais. C'est en négociation le Carnegie Hall, mais... Ça va se faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est Avignon cet été, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Oui, oui. Ça c'est signé. Ça c'est sûr. Voilà. Et sinon, il faut regarder notre site internet sur lequel notre avenir est inscrit. Notre avenir en date... en date de concert, voilà, c'est notre avenir. Nous ne vivons que pour et par le barbershop. Notre avenir, ce sont les dates de concert. On souffre moins d'écho à compter du solstice, non pas qu'il soit moins court.